Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui, la première faire l'épisode 2 de Phoenix Wright et Saturni, Trials and Tribulations. Est-ce que Riton, est-ce qu'il a volé l'urne scellée de je sais plus qui? Ah, nous allons le savoir et tout de suite, dans notre feuilleton favori. Je m'excuse d'ailleurs si je fais du bruit avec ma bouche, outre le fait que je parle, car j'ai un café qui fait froid en ce moment. Nous sommes en hiver, moment où j'enregistre cette partie. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, spoiler, 2 minutes en avance, mais son personnage est Godot. D'ailleurs, c'est pour ça que café oblige. Évidemment, parce que son gimmick c'est de boire du café. Parce que le café, ben, c'est cool, tu vois. C'est très très mélancolique comme musique de caractère de personnage. Mais j'aime bien le style. Ce personnage a une philosophie qui est à la fois réelle mais qui est agaçante. Non, mais ce personnage est réaliste. C'est ça qui est beau. Ah non, c'est pas là, je ne suis pas une lumière. C'est pas une lumière, Godot. Je ne sais vraiment pas qui c'est et ce que je lui ai fait. Donc, exposé introductif. Ouh, ça parle tellement mal. Putain, c'est Wright. Trou du fion. Sa caméra allait. Une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Je ne vois pas du tout ce que ça représente dans mon cas. Alors j'utilise la technique du château de cartes. C'est une technique très simple que j'utilise depuis tout début de ma carrière en fait.
j'empile des cartes, et si jamais je vois qu'un de mes arguments est sur le point de s'écrouler, je surenchérirai avec une autre rangée de cartes par-dessus. Et c'est pas moi qui fais tomber la pile de cartes. Très imagé comme méthode. Le premier témoin, c'est. Bah, c'est le détective. Et direct, ça parle mal. Ça parle tellement mal. Ce que vous savez du voleur d'urne. Parce que voler des urnes, c'est pas bien. D'ailleurs, café. Allons-y. Ouais, pour l'instant ça va. Ouais. C'est tout? C'est tout? Mais putain. Il y a une phrase qui m'interroge. Oh, c'est l'animation sur du café. Buvez du café. D'ailleurs, faites pause et allez prendre un café pendant cette phase de procès. Ah oui. Plus noir qu'une nuit sans lune, plus brûlant et amer que l'enfer. Le café. Allons-y, Billy. Je ne sais pas. J'ai une petite idée, tu vois. Déjà, si. Ouais, on va prouver déjà ça. Alors, blablabla. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait deux piercings sur l'oreille gauche, Godot. Alors, Masked Mask est un cambrioleur qui fait beaucoup parler de lui depuis. Alors, était mentionné. Je m'en fous. Oh, alors attention. Incroyable merveille, vous allez voir la config dégueulasse. Voilà. Non, dégage. Voilà, vous avez vu la petite config vite fait pour éviter que ça fasse de la merde. Alors ça, j'aimerais attaquer. Parce que, bon, avouons-le quand même. L'urne. C'est pas précieux, enfin ça. Ça a pas une. Ça a pas une. Un physique qui avantage le fait de sa. De sa préciosité. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. L'urne sacrée. Eh ouais! Alors, c'est pour ça qu'on est sûr qu'il s'agit bien de masque. Ok, donc ça, c'est ta dernière phrase. Non, merde, j'ai fait une connerie. Excuse-moi, non, oublie ce que je viens de dire. C'était pas, je voulais présenter une preuve. Non, présenter. Voilà, non, mais. Quand je vous dis que. C'est un. Non, mais. Regardez, regardez, quand même. C'est un vase, enfin c'est une urne avec un bouchon dessus, c'est tout. Même la description le dit, valeur inestimable, le point d'interrogation nous le dit. Aucune valeur pécuniaire, non mais. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Bon, permettez-vous une petite question. Une question, ouais, sont jamais petites. Comme ma. Mon badge. Les plus précieuses. Dans ce cas, il y a un problème. Parce que cette urne est moche, tu vois. Non mais, Maya. Ton urne, c'est de la merde. Disons-le concrètement, on va pas se mentir. On est là, on est devant 12 personnes qui assistent au tribunal, le procureur.
l'accusé, le caféinomane, et voilà. Ton urne, c'est de la merde. Ouais, d'un point de vue financier, d'un point de vue de... d'un point de vue visuel aussi, c'est de la merde. Vas-y. Voilà, si même lui le dit. Je ne sais pas quoi faire. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Bah Godot en fait. Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Hop, première technique. Premier posage de cartes sur l'argumentation, tu vois. Ça commence à ramer. L'émulateur est en train de me décider dans les doigts. Je vous cache pas que c'est génial. Pause café. Ça par contre c'était un bruit Skype, je m'en excuse. Donc je vais de suite en fait redémarrer mon ordi. Et je vous retrouve, voilà, vous avez encore le bruit Skype, c'est génial, mon internet me fait des doigts. A de suite. Voilà, en espérant que cette fois ça ne plante pas, ce qui n'a pas de tout cas, c'est d'être un poil plus fluide. Plus fluide. Il se contrebalance de ce que je dis. Donc a priori effectivement il fallait que je redémarre mon PC. Parce que peut-être que je l'avais trop allumé. C'était ma vie passionnante. Vous dites que le voleur de l'urne n'est pas Masque de Masque. Ce doit donc être un voleur qui imite Masque de Masque. Autrement dit, un imposteur. Un faux damasque. Oh là là. Oh là là. Oh là, il a essayé de faire un jeu de mots. Troisième café. Avant de me décider pour mon café, j'attends que vous nous fassiez une preuve. Oh, du café. Ok. Alors, non, ça, je m'en contrebalance. Photo publicitaire, c'est quoi ça? Voyons, ça, c'est donc le vrai Masque de Masque. Et ça, c'est la photo de la caméra de surveillance. Ouais, il manquait un truc, l'espèce de enfin, au niveau de son... au niveau de là où devrait se trouver la... le nœud papillon. Il y a une... ça doit être... je sais pas, une décoration. Bah, c'est pas le vrai. Alors, est-ce que ça va être celui-là? Je ne sais pas. Eh, prends ça! C'était l'autre. C'était l'autre photo. C'est génial. Ouais, c'est bon. C'était donc la photo de la... bah voilà. Merci, j'avais une chance sur deux. Voilà, en plus... donc... hein. Voilà. La preuve est ici. On dirait une photo prise par un diable. Non, tu crois? Incroyable. De étrange. Montrez-nous avec cet indicateur. Alors, visons avec un stick de 3-6. C'est super précis. C'est très la précision. Ah, en dessous, en dessous. Bon, allons-y avec la souris parce que fuck it. Et si. Normalement ça devrait être bon.
C'est ici. Évidemment. Non. J'ai une autre pièce. Ouais. Ça peut paraître con, je te jure, mais. Mais il y a un truc différent. Là, tu vois, la tête moche, là, le... C'est une broche. Jamais vu une broche aussi grosse de ma vie. Non. J'ai pas compris la référence. Je dois être trop con. Je dois être trop con. Ça y est, il a compris, il a tilté. Ah, c'est censé rendre. Oh putain, c'est complexe. Ah, c'est complexe. Ouais. Totalement. T'étais une grosse. Tu n'étais pas doué. Comment tu veux? T'as déjà cinquième café, Billy? La broche, ouais. T'as déjà quatre, déjà cinq cafés. J'espère que c'est la même. Tu l'as trouvée où? Elle était où? Elle était où? Une statue de Bouddha, tu veux dire statue de machin? Ami Fei, voilà. Oh, ta poche. Ouais, la poche. Ouh. Ah, c'est. Alors, je sais qu'il y a des enfants qui regarderont peut-être ces vidéos un jour. Mais moi. J'ai entendu que Maya, bah c'est pas la petite, c'est pas la jeune fille innocente qu'on connaît. Moi j'ai entendu autre chose, hein. C'est ce que je comprends. Ça parle tellement mal. Non, oui, non, c'est bon, calme-toi, calme-nous. Que les empreintes digitales de l'accusé sont sur la brèche. Mais ça la remet tout en question. Oui, ça c'est normal. Oui, entre Mademoiselle et l'autre. Et masque, on va appeler masque parce que masque et de masque, traduction française nulle. 6 cafés plus tard. Ah bon déjà? Ah bon? C'était rapide. Oh, ça fait mal. Alors, c'est... Ah, sans, putain, non, pas lui. Non. Sa coupe de cheveux, d'ailleurs, je ne sais pas si, je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois que j'ai fait du Fang Swine, mais ça me fait penser. Alors, ça remonte super loin. Ça me fait penser au chef de la police dans l'affaire 5 du premier Saturday. Alors, moi, j'ai entendu un gros ta gueule. Moi, je dis ta gueule. Qu'est-ce qui est clair? J'ai hâte de voir son breakdown à lui. Ça doit être assez magnifique. Thank you.
Oh, violence! Moi, j'ai envie de te dire, il faisait son boulot. Ou alors, son ego démesuré a pris sa place. Alors, vas-y. Impressionne-moi. Vas-y, alors. Environ 1 heure du matin. Le changement de date. Ok, ça déjà, ça va pas. C'est l'heure que je vous dis maintenant. Allez, la maître. Il est dessus. Je pense que je vais faire cette voix, lui. Alors que j'étais de dos, à ce lâche, je faisais arsener un grand coup de mon. Voilà. Ce lâche, je faisais asséner un grand coup sur mon noble crâne. Alors, je me suis fait sombrer dans les bras des Murphy avant d'avoir pu rétorquer. À mon réveil, et plus personne. À 30 minutes se sont écoulées avant que j'appelle la police. Ça fait très Ken le survivant en fait. Très doublage, je vois Nicky Larson Ken le survivant. Bon, voilà que j'ai fait sur mesure, on n'aura jamais avec. Non, j'aurais peut-être parlé. Encore faut-il que les détails entrent dans mon champ de vision. Cela va sans dire. Ouais, alors ton instinct, on va en reparler dans une dizaine de minutes. Ok, Billy. Quel changement d'heure en fait? Je sais même plus la date à laquelle on est. Oui, 1 heure du matin. Alors, question. Changement d'heure. Quoi? Non, moi je m'en fous. Le changement d'heure. Ça répond pas à ma question du changement d'heure. Ça m'aide pas. T'avais un plan? Waouh. Une cape de camouflage. Waouh, technologie révolutionnaire. Six cafés, je vais les compter les cafés moi. Ça fait 6 cafés déjà, il y a déjà un problème. On va continuer d'attaquer parce que moi ce que je voudrais c'est le changement d'heure. De quoi tu parles? Si, une fois je crois. Ouais. Alors là je vous conseille de voir de jouer plutôt. C'est la première affaire de l'épisode 2. Je suis tombé dans les pommes et il est devenu inconscient. Enfin, ouais, il a perdu la mémoire. Mouais. Oh, ça parle tellement mal. Donc, tu t'es évanoui. Ah bon? Comment sais-tu 30 minutes? Qu'est-ce que tu as fait? Ma corde d'argent s'est brisée. Mon âme s'est envolée vers les champs
Élyséan. Je crois que la traduction c'est barré en couille. Je crois que ça devait rimer. Voilà. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Je vais tester un truc débile. Je vais tester un truc super débile. Voilà, c'était débile. Moi j'aurais dit l'heure en fait. Mais non, c'était débile. Oui, donc non, donc alors étant bien. Merci de bien prendre soin. C'est quoi ça? Donner de la caméra. Je réfléchis. Je réfléchis à des choses. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est génial. J'adore ma vie, je vous l'ai déjà dit. Oh là là, ça va être la joie, c'est la joie, je vous le dis tout de suite. Bon, allez, on réfléchit, réfléchissons. Je réfléchis. Il y a une preuve que j'ai pas vu. Bah oui, il y a celle-là que j'ai pas vu. Alors, suis-je trop con? Piffer comme un connard, ça marche. Mais Godot il a dit qu'il était arraché. Sac à merde. Je suis débile. Je suis trop con. Je laisse cette musique parce qu'elle est pas mal. Il a menti. Il a la goutte au nez. Mon œil. Dans ce cas, si je reprends exactement le sens de ta phrase, tu n'as aucune valeur vu que c'est ta première affaire. Ouais, mais moi au moins, je la réussis bien. Je la réussis. What? Quoi? Hein? Sixième café? Septième même?
j'ai pas compris. Ouais. Rien compris. Ouais, ça c'est sûr. Ok, alors cette musique là, ça veut dire que si je réussis, ça devrait être la pause. D'ailleurs, j'aime bien cette musique. On continue, c'est super. Moi, je vais le faire parler de tout parce que c'est important. C'est ce que je me dis. Tu veux que je te le dise, Billy? Bon, bah, maintenant on va parler au sujet du Mushar. Sujet du Mushar. La chatière, sérieusement. Pourquoi pas, mais... c'est assez petit, une chatière. Ok. Ouais, pour le moment. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que tu as vu l'arme? Ah, le si... Putain, le... Shito. Je sais pas, j'arriverai jamais à le dire ce truc. Un sabre, oui. Sérieux là, mais t'es moussé. Mouais. Pour l'instant, ça se tient. Ça veut rien dire. Je suis désolé, ça veut rien dire. Moi, tu m'aides pas. Ça marche pas, ça. Ah ouais? Vous avez été aveuglé, ça c'est intéressant. Ah. Bah non.
Sonic est très fort parce que même moi je n'ai pas encore trouvé. C'est quoi ta position de combat à mes fesses sur mes couilles sur ton front? Ah, c'est très important. Ouais. Mec. Tu viens de te vendre. Merde, non, reviens. Reviens. Tu viens de te vendre. Tu viens de te vendre tellement facilement. Bon, en même temps, il y avait la description de l'objet, mais là, il s'est carrément vendu. Imaginez une seconde. C'est comme s'il était en face d'un danger que tout le monde voit, que tout le monde sait que c'est prouvé que c'est dangereux. Mais que lui il fait le contraire, il sait que c'est dangereux, et bah il y va quand même. Parce qu'il en a rien à foutre. Donc du coup là je vais essayer de faire une voix un peu mieux pour cette phase de dialogue tellement c'était facile. Détective-moi ça. Votre témoignage est aussi branlant qu'un château de cartes. Donc ça c'est référence à ma technique du château de cartes de l'argumentation, vous voyez. Quel plaisir, monsieur l'avocat, de croiser le fer avec vous. Une fois de plus, vous jetez votre gant à mes pieds. Il me semble que vous avez dit ceci hier. Non, cela, j'ai pu trouver un autre moyen pour entrer. Mon ennemi juré m'a frappé à la tête, par derrière, avec ce vilain objet. Par derrière, vous dites. Je ne peux pas faire la voix d'un vieux. Mais vous venez d'affirmer à l'instant qu'il vous avait frappé au front. Vous n'avez tout de même pas oublié l'endroit où vous avez été frappé. Apparemment, je me suis encore trompé. Non, là, tu te fous de ma gueule. Détective-moi ça. Ce n'est pas la seule anomalie dans votre témoignage. Par exemple, le simple fait que vous ayez caché la carte de visite à la police éveille des soupçons. C'est comme si vous aviez eu peur qu'il vous aide à assurer la sécurité. Les génies comme moi sont toujours incompris. C'est ça le problème. Non, je ne pense pas. Oh, le Godot qui fait une objection. L'erreur est humaine. Le pardon est divin. Les êtres humains ne sont pas des machines. Ils ont une âme et des sentiments. Ils vivent, meurent, aiment, haïssent. Et oui, bien sûr, ils commettent des erreurs. Et attendez, ce n'est pas aussi simple que ça. Oh, tout à fait. Vraiment, éclairez-nous alors. Toujours poursuivre l'énigme jusqu'à sa solution. C'est une de mes règles. 7e café bu, ou 8e, je ne sais plus. Ça doit être 8e. Cette fois, ça y est. L'heure est venue de retourner la situation en ma faveur. Monsieur Wright, qu'assignez-vous exactement? Votre honneur, la défense affirme que... Alors soit je la joue, j'en ai plus rien à foutre.
soit je la joue facile, soit je la joue deuxième degré. J'ai envie de dire imposteur. J'ai envie de poser mes couilles, vous voyez. La réponse est simple, tout est clair à présent. Élective Mademoiselle est autre que un masque de masque. Et c'était le breakdown. Silence, silence dans la salle, Monsieur Wright. Que signifie cette mascarade? Il y a trop de points d'ombre dans cette dans l'histoire de Mademoiselle. Il affirme qu'il se cachait, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Et dans l'affaire précédente, il a réussi à tromper l'inspecteur détective et l'intégralité des forces de police pour récupérer miraculeusement le trésor. C'est parce que j'ai analysé et donné la scène du crime et fait preuve d'une logique irréprochable. J'ai trouvé un indice que la police avait manqué pour parvenir à ma... Oh, je vous en prie, l'explication est plus simple que ça. Être détective, moi ça, la vérité, c'est que vous êtes en réalité un masque de masque. Enfin, Monsieur Wright, cette photo, il s'agit bien de masque de masque. La caméra de surveillance appartient au garé de France. Il n'aurait pas pu la trafiquer. Il n'y avait pas besoin de trafiquer. Il avait accès à un entrepôt en tant qu'agent de sécurité. Ensuite, il lui a suffi de revêtir le costume du voleur et de s'emparer de l'urne. L'as du détective n'est en fait qu'un as de voleur. As de vérité, témoin. Ah. Masque de moi. Masque de masque fait preuve de génie. Et comme moi, mette-moi ça, l'as du détective. J'ai changé de voix au début, je n'ai pas compris pourquoi. Vous avez le talent, monsieur l'avocat. Seul le talent a pu vous mener à cette conclusion. Quoi? Témoin, vous avouez? Je ne ferai pas une voix de fille. Oui, il est temps de signer le coup de grâce. Détective-moi ça. Quand vous avez déclaré l'identité du voleur. Je me suis pris. Eh vas-y, du café, mec. Mélange codo numéro 102. Mon préféré. Je me suis pris un café dans les dents. Monsieur Coteau, l'as détective est en fait l'as des voleurs. Ça sent le roman en succès. Un seul problème toutefois, la vérité n'est pas si simple. Mais monsieur Coteau, monsieur Wright a avancé des arguments très solides et... J'admets que mon adversaire a tissé une toile convaincante avec le fil de cette affaire. Mais ce n'est malgré tout qu'un vulgaire patchwork. Monsieur Light, si ce détective est le voleur, montrez-nous la preuve de ses méfaits. Mais qu'elle soit aussi brûlante et parfaite que le café qui vous coule dessus. Du café. Eh bien, Monsieur Light, n'en restez pas planté là. La cour aimerait voir la preuve décisive que vous détenez. Et vite. Hein? Oui, bien sûr. Du calme, il n'y a pas le feu. Ça n'a pas l'air d'en mener très large tout à coup. Si possible, j'aimerais l'achever sur le champ. Mais suis-je vraiment en mesure de le faire? La pièce de conviction décisive qui prouve que Mademoiselle est en fait masque le masque. Et je suis un peu dans la merde. Alors attendez, réfléchissons. Le dossier, réflexion. Réflexion. Bon, alors voyons. Là, je vais pas poser mes couilles sur la table. Une preuve? Bien sûr, je n'ai rien du tout. Ah, oh, c'est ce que je pensais. 9e café. L'important, quoi qu'il arrive, c'est de garder la tête haute. Je vois
J'espérais que vous seriez en mesure de corroborer vos arguments. Ce n'est pas bon du tout. Je dois demeurer offensif. Je n'aurai jamais d'autre chance de prouver que ce type est le voleur. Je vais arrêter la phase de douleur, j'ai mal à la gorge. Mon dieu, mais qui vient de faire un retournement du scénarium de cette affaire. Tu fais quoi ici en fait? Ouais. Oui. Un sac? Non. Où est-ce qu'il... Mais il sort d'où le vase? Qu'est-ce que putain de quoi? Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi? Mais de... Qu'est-ce que... Comment? Cette urne? Oui, où est-ce que tu as trouvé? Bon, est-ce que là, on peut clairement dire que maintenant ça est une petite... C'est une brèle en plus d'un menteur. Ok, mais... Alors j'ai une question. Il y a de la peinture dessus. Un breakdown, un autre. S'il te plaît. Ouais, c'est d'abord. Qu'est-ce que tu as? Allez, le 10e café. Oh, elle a été touchée dans son amour propre. Ça doit faire mal. Oh, du café. Faites pause et allez prendre une deuxième tasse de café. Allez hop, 10e café. Je veux bien. Ah bon, voyons. Il faut réfléchir de façon logique. Logique. Il faut réfléchir. Testons les empreintes. Il faut montrer les empreintes. Réfléchissons. Il faut que je me souvienne de... Il faut que je me souvienne en fait du dernier épisode, donc de la phase d'enquête. Ah oui, je viens de comprendre. Oh, c'est con. En fait, c'est tout. Vous allez rire, c'est con. Ouais, tu veux savoir un truc drôle, Billy? Je vais appeler Billy parce que c'est drôle. Tu vas rire, c'est... Alors... C'est les miennes. Ouais, te souviens-tu d'hier en fait?
Eh ouais, Billy. Je l'ai touché. Comment vous l'avez touché? C'était dur, Alice. Ce n'était pas un objet phallique. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qui fait? Bah hier. Ah si, ça prouve que ça a été après le vol. Et ouais. Ah oui, c'est vrai. Moi, elle a dit ça aussi. Donc devrait y avoir les siennes, les miennes, celles de Mademoiselle Sarah, et c'est tout. Oh, ton café est-il trop amer? Mais du sucre! Quoi? Qu'est-ce que tu as encore, Billy? Ah bon, ça y est, tu avoues enfin! Ah oui! Ah oui! Pardon? Ça veut dire que c'est bon? Ça veut dire que c'est bon? Dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est bon, s'il te plaît. Ah oui, deuxième breakdown! Oh! Tu sais quoi? T'as une meilleure tête comme ça. Non, ne trouvez-vous pas le réveil de la prochaine nuit? Je tue mon crayon. Non, Itchy. Ça me fait tellement penser à Dio. Laissez-moi les clones tragiques. Ah oui. C'était moi, le seul, le vrai masque, le masque. C'était Mademoiselle. J'espère que vous êtes tous bien amusés. Oh, il a une plus belle tête. Il a vraiment une belle tête, moi je dis. Ou le Joker, ça dépend comment vous le prenez. Eh, ça y est. Bah ouais, j'avais raison. Oh non, le scénarium est encore présent. Qu'est-ce que je fais là? Juge ou Godot, donnez-moi une tasse, un marteau que je l'assomme et qu'il la ferme. Je suis pas d'accord. On a prouvé que le voleur aille. Enfin, que le voleur était maintenant ça. Bon. C'est parti pour 20 minutes de scénario en plus. 11e café. N'abusez pas trop de café quand même. Oh, vous, les voleurs. Si vous êtes un homme, affrontez les conséquences de vos actes. J'imagine trop une voix tellement suave, digne d'un narrateur de film porno M6 du dimanche soir. Si vous êtes masque de masque, prouvez-le. Voilà ce que je veux dire. On avait vu que Paul Defès était un cas. On a trouvé pire que lui. C'est bien, mon garçon, mais n'oubliez pas, un garçon n'a qu'une seule chance de devenir un homme dans sa vie. Est-ce que ça sonne pas tellement phrase dégueulasse? Ok, dans ce cas, parlez, nous vous écoutons.
Alors à moins que mon cerveau commence à partir en vrille, ça sonne tellement dégueulasse. Onzième café. Vous donnez le bon bout. Là pour moi, il doit être. Il ne sait pas. C'est peut-être parce qu'il est tard. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, vous n'aurez qu'une chance de témoigner. D'accord? Si vous vous débrouillez bien, je tiendrai également ma promesse. Je verrai à ce que vous coupissiez au trou selon le masque de masque. Mec. Voilà. Voilà. C'est bon. Là, tu fermes ta gueule. Cordialement. Hâte. Le vieux. Tais-toi et regarde. C'est une preuve. Ouais. Ah, bizarrement, ce portefeuille était trouvé dans le loco de KB Sécurité à 1h du matin. Oh là là, comment c'est étrange, dis donc. I'm fucking serious, man. Si! Tu te rends compte, t'as fait une erreur pour te porter coupable. C'est quand même fort. Douzième gorgée de café. Ouais, alors, ça c'est véridique, les brûlures d'estomac, ça fait super mal. Donc, le café, oui. Mais... alors, pas à petite dose, mais... en quantité raisonnable. Une tasse par jour, ça va, mais pas plus. Oh bah dis donc. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. J'ai oublié quoi? Le mobile? Ok, donc 6ème ou 7ème rangée de cartes de la... de... bref, vous m'avez compris. Tu veux que je montre ma preuve? J'enlève mon froc et je te la montre. Non, pas ça. Bah voilà. Donc là, je vais gueuler dans le micro porteur d'écouteurs et de casque. Veuillez baisser le volume. Maintenant. Prends ça! Monsieur du plaisir, j'espère que vous avez vu ceci auparavant. C'est... qu'est-ce que c'est? Une lettre de chantage. Du moins, c'est ce qu'il semble indiquer. C'est ce que semble indiquer son contenu. Du chantage? Et tout à fait. En gros, il est écrit d'avoir 50 000 boules à 1h du matin. On dirait bien du chantage, en effet. À l'heure où l'urne a été volée, Monsieur Plaisir s'occupait de son maître chanteur.
dans le bureau du PDG de l'équipe de sécurité à 30 minutes du lieu du délit. Donc une tasse complète là, carrément. Silence, silence, fermez vos gueules. Donc au moment du vol de l'urne, l'accusé était dans les locaux du KP Sécurité. L'affaire semble sans rien dire en faveur de la défense, l'argument est parfait. Vous trouvez peut-être l'argument parfait, monsieur le juge. Mais moi, 13e gorgée de café, je suis bien plus impressionné par ce mélange code au numéro 107. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que le PDG de la société de surveillance vous a chanté le voleur. Mais ce PDG, vous avez enquêté sur lui? Non, je suppose que non. Vous accusez un homme de chantage, sans preuve? Je ne sais trop quoi penser de cela. Vous ne savez trop quoi penser de cela. Moi, je sais ce que je pense de vous. Que tu es un gros connard. Il a raison. Je ne sais pas trop quoi en penser moi-même. Vous dites que l'accusé est entré dans le bureau du PDG. Oui, je fais deux voix différentes. Mais vous allez devoir au minimum présenter un témoin pour corroborer tout ça. Oh, merde. Qu'entendez-vous par là, monsieur Light? Quelqu'un d'autre peut en témoigner. Et c'est là que le témoin, le twist final, nous indique que c'était Paul. Qui est ce jeune homme à l'air hagard? Vous ne vous souvenez pas de lui, votre honneur? Pas exactement. En même temps, vous savez, j'ai tellement d'affaires à faire en ce moment, alors les têtes de con comme ça, j'en ai un peu plein le cul. Ce qui compte, c'est que cet homme était le garde à KB Sécurité ce soir-là. Oh. Ce qui nous intéresse ici, c'est la clé magnétique. Ouais, c'était la clé magnétique des locaux où je travaille. Le code de série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu rentres pas. Et chaque utilisation est enregistrée. Ouais, je t'ai vu. Et ça t'apprend qui est entré et quand. Ah, oh, c'est trop lol, t'as vu. Comme vous le voyez, il est inutile d'enquêter sur le PDG de KB Sécurité. Il nous suffit d'analyser les données de cette clé pour découvrir toute la vérité. 14e gorgée de café. Ah, je crois qu'il y avait du sucre. Il a mis du sucre dans son café. C'est pour ça que c'est dégueulasse. T'as plus d'une heure sur cette affaire. Eh bien, monsieur Godot. Le PDG de KB Sécurité s'appelle Ken Bullard, qu'on va renommer Ken Bogard. Je n'ai pas pu le contacter directement, mais je lui ai donné de la clé magnétique ici. Et qu'en dit-elle? Chaque clé possède un numéro de série et toute utilisation est enregistrée en détail. Les données relèvent que cette clé a été utilisée à 1h du matin, la nuit du délit. La clé magnétique a été ajoutée dans le dossier de l'affaire. Autrement dit, ça ne peut pas être Monsieur du Plaisir déguisé en masque de masque sur la photo. Ah. Vous avez visiblement raison. 2 minutes ne suffisent pas pour extraire tout l'arôme d'amon arabica. Et donc? Henri Duplaisir était bien dans le bureau de PDG. Dans le bureau du PDG de KB Sécurité au moment du délit. Je vais arrêter le doublage, j'ai vraiment mal. Le parquet général est. Hein. Par conséquent, l'accusé ne peut pas être. Ok. Ça d'accord. Il est où le mais? Il est où le twist? Tu as déjà dit ça. Tu l'as déjà dit. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, pas personnellement non. C'est quoi ce bon. Attendez, est-ce que le scénario va affecter une troisième fois? Non.
Eh ben, cette affaire a été plutôt rapide. Bon, bah... Fin de l'affaire numéro 2. Peut-être. S'il te plaît. Donc ça voudrait dire que... Alors, soit c'est juste pour cet épisode... Ou peut-être pour toute l'intégralité du jeu, mais le procès va se faire en une fois. C'est con, j'aimais bien les deux parties du procès dans l'épisode 2. Tu sais, on peut s'arranger. Et si on allait chez toi pour voir ta collection de... manteaux. Non, tu crois? Oh mon dieu, la gamine était là. C'est une amie, calme-toi. Calme-toi. Ces personnes... Wow. Wow. Oh, comment tu viens de te faire... Oh, alors ça c'est... Wow. Alors ça, c'est le non-respect de toute une vie. Se prendre une claque par une gamine. Wait, attendez, si moi je fais à peu près 1m80 et elle fait 1m. Elle a pas pu sauter au moins 30 cm d'un coup. Je vais m'en prendre une deuxième. Je vais m'en prendre une deuxième. 3. 3 claques. 3 wide combo. Ouais, allez, c'est bon, on a fini. C'est bon, on se barre. On se barre. Barrez-vous. D'ailleurs, ouais, j'ai une question. Comment elle sait où était l'urne? Non. Ouais, mais moi je peux poser une question, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Ici, 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 j'ai une... Il a le blues, c'est tout. Vous savez ce qu'est le blues, non, amigo? Godo, que faites-vous ici? Je suis venu dire bonjour à mon nouveau camarade, c'est tout. Vous, monsieur Light. Ouh, quel sourire. Vous allez peut-être apprendre à m'appeler par mon nom avant de m'appeler camarade. Bon, la récréation est terminée. Ce matin, à l'aube, on a retrouvé le corps de Ken Bogard. Ken Bogard est déjà mort? Est-ce que c'est pas un... On estime l'heure du décès à 1h du... Bon, je fais quoi? Est-ce que le scénarium m'en veut? Le scénarium m'a clairement dit... Non, t'as peut-être résolu l'enquête du début, mais en fait ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y a une deuxième enquête après, dans la même enquête. Donc t'es baisé mon gars, et t'es baisé. Si amigo, au moment où le vol d'une urne de pacotille a été commis, quelqu'un a assassiné le PDG de KB Sécurité. Ouais, scénarium. Va te faire foutre. Moi j'ai envie de dire ça se comprend. Ah bon? Quelqu'un? Est-ce qu'il l'a dit? Je ne sais plus. C'était un professionnel. Oh, je me suis bien enfoncé là, scénario. Bien joué.
Ok, j'accepte le défi. Elle prend 3 thermos de café et une au sucre avec un lunage de lait pour moi. Et une tasse dédicacée, s'il te plaît. Ouais, ma technique du château de cartes marche super bien. Mais je sais pas! Arrêtez de me demander! Mais t'es qui? Mais t'es qui? Alors attends. On va essayer de deviner. Il a des cheveux blancs. Ça se trouve, c'est Hunter. Ça se trouve, c'est Hunter. Benjamin Hunter. Quoique, dépasser le cheveu noir à blanc, faut le faire. En un an, quelques mois. C'est moi. Bonjour, Scénarium. Comment vas-tu? Je te déteste. Bon. Ça, c'est l'épilogue de cette partie. Arrêté pour meurtre, le jour même où l'on l'innocente de vol. Je me demande bien ce qui nous attend encore. Le Scénarium nous le dira un jour, le plus tôt possible. Eh ben, c'était long. C'était ultra long. Voilà. Bon, bah, que dire. Déjà la phase de procès, comme je l'ai dit, était en une seule partie cette fois-ci, une partie qui va durer 1h30. Maintenant ça, je pense pas qu'on le reverra pas avant un moment. J'ai bien aimé. Là la difficulté est vraiment relevée d'un cran parce que c'est pas super facile. Il y a un truc qui a été difficile. Enfin, deux trucs plutôt. Mais le reste après, c'était littéralement une redescente de la difficulté. Ça, c'était ma main sur le micro, c'était génial. Bon, je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vais voir ce que je peux faire. Merci à tous d'avoir regardé cette partie qui aura duré 1h30. J'espère que vous aurez savouré du café. N'oubliez pas que du café... c'est bon, mais c'est dangereux si vous en prenez beaucoup trop. Comme l'a dit notre cher ami le juge, ça provoque des brûlures d'estomac et ça, c'est pas cool. Je vous invite, comme d'habitude, et je leur dis à chaque vidéo, mais je pense que ça commence à vous gonfler les oreilles, mais je le redis quand même. Si vous avez aimé, dites-le moi en postant un commentaire ce que vous avez pensé du jeu. De mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça ne prend que 2 secondes et ça c'est cool. Ou bien un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De regarder les autres vidéos. Et pour ceux qui viennent de tomber sur cet épisode en ne connaissant pas le jeu, je vous invite à regarder les 2 autres volets de la série que j'ai fait. Sachant que le premier est une qualité assez dégueulasse pour l'époque et que le deuxième est un petit peu mieux. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.